toutes, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Ça fait un petit bout de temps que je ne vous en ai pas fait. En allant sur Instagram, je suis tombée sur un réel et j'ai vu une carte qui me plaisait bien. Je me suis dit que ça ferait de jolies cartes de fin d'année ou autre. On peut faire plein de choses avec. Et donc, je l'ai faite. Par contre, j'ai dû chercher moi-même les dimensions parce que sur le réel, il n'y avait absolument rien d'indiqué. Et donc, voilà à quoi ressemble cette carte. Alors, j'ai dû mesurer pour voir, pour faire le devant ici, pour faire l'intérieur. Enfin, j'ai dû tout remesurer et je pense que ma carte n'a absolument pas les mêmes proportions que celles que j'ai vues sur Instagram. Mais bon, c'est pas grave. Elle est quand même jolie. Je vais vous montrer un petit peu comment elle s'ouvre. Alors, on a ce premier volet qui s'ouvre comme ceci. Ça, c'est le prototype. Ensuite, à l'intérieur, on a ici le sentiment qui est collé sur ce rabat-là. Et puis, à l'intérieur, on a ici un autre papier. Bon, là, j'ai pris un papier qui n'était pas de très bonne qualité. Hein. Ben, c'était le prototype, donc je n'ai pas pris du bon papier. Ce qui fait que c'est pas très, très joli à l'intérieur. Mais bon, c'est juste pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc, voilà. Elle se ferme comme ça. Elle se ferme comme ça. J'ai tout recalculé. J'ai pris mes propres dimensions afin d'avoir les mêmes distances en haut, en bas, sur les côtés, pour que ça... ce volet-là soit bien cadré ici au milieu, parce que sur la vidéo, il n'était pas cadré du tout, ça ne me plaisait pas. Donc voilà à quoi ressemble la carte qu'on va faire ensemble. Allez, c'est parti, on commence. Comme d'habitude, je vous ai tout préparé, ça ira plus vite. Alors, j'ai choisi ce papier d'un bloc de chez Action, un ancien bloc qui date de 2017. Je trouvais qu'il était pas mal, avec des feuillages, ils sont légèrement argentés par endroits. Alors, pour la base de carte, donc il nous faut 21 cm sur 15 cm de haut, ça bien, on pliera en deux. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, c'est-à-dire cette partie-là, ici, il nous faut... une feuille qui fait 8 cm et demi sur 12 cm. Je vérifie parce que l'étiquette elle était enlevée. Voilà, donc 8,5 par 12. Ensuite, pour le rabat ici, il nous faut un papier blanc ou d'autres couleurs, hein, comme vous voulez, de 7,5 de large sur 22 de haut et on le pliera en deux. J'ai déjà fait mes plis, comme ça, ça ira plus vite. Ensuite, pour ce qui ira sur le rabat. Alors, pour cette carte-là, j'ai prévu de mettre un fond comme ça qui fait 7 sur 10,5. Si mon téléphone veut bien faire la mise au point, oui. Donc ça, ça viendra ici. 7 de large sur 10,5 de haut. Ensuite, pour la petite étiquette à l'intérieur, j'ai pris ce morceau jaune, jaune-orangé, on va dire, 6,5 sur 4,5. Ça, c'est le matage de l'étiquette 6 cm sur 4 cm. J'ai enlevé 1 demi-centimètre. Et puis, le petit sentiment. J'ai mis petit plaisir d'automne et le sentiment il fait 4,5 sur 3 cm. Le téléphone il a encore du mal. Ah voilà. Donc ça ce sera l'étiquette. Ensuite pour mettre à l'avant de la carte, j'ai imprimé cette jolie citrouille sur Pinterest. Alors, je ne vous donne pas les mesures parce que bon, bah, on adapte hein, par rapport. De toute façon, là, en largeur, ça fait 7,5. Et là, ma petite étiquette, elle fait 6,5. Donc, puis en hauteur, elle fait 7,5. On adapte, on met ce qu'on veut. Hein. Et puis, j'ai également découpé cette jolie tarte à la citrouille que je mettrai à l'intérieur de la carte. Voilà. Ah ben, on va coller tout ça ensemble. Avant de commencer, je vais vous montrer celle-ci.
Alors, c'est la même. Sauf que j'ai gardé le papier que je vais découper. Vous voyez, le papier, il est découpé en biais ici. Et j'ai gardé la deuxième partie pour la recoller ici à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire après, de toute façon, vous allez voir. Alors celle-là, ben, j'ai mis un sapin que j'ai embossé avec de la poudre argentée, une petite étoile, un Merry Christmas, c'est du papier de chez Action, ça c'est pareil, ce sont des blocs qui datent. Hein. Je ne sais pas si j'ai mis la date à celui-là. Non, celui-là, je n'ai pas mis la date. Ça fait un bout de temps que je les aimais bien ceux-là. Donc celle-ci, ben, elle est faite sur le même modèle. Ici, on a un Joyeuse Fête. Avec le rabat à l'intérieur et puis des petites étoiles. Sauf que pour celle-ci, j'ai conservé la deuxième partie de la carte qui va être découpée ici. Alors, je vous montre ça tout de suite. Je vais mettre tout ça sur le côté. Et donc, ma base de carte, je vais la plier en deux. Ceci. Je vais prendre un plioir. Alors, je vais faire attention de ne pas faire tomber mon pied de l'appareil photo parce que sinon, je vais encore être obligée de recommencer la vidéo comme tout à l'heure. Donc, je plie comme ceci. Et on va venir couper ici en diagonale. Alors, je prends ma carte. Et je coupe une diagonale du coin en haut à gauche vers la pointe ici en bas à droite. Voilà. Donc on obtient ceci. Et donc, comme je vous disais à l'instant, je garde cette partie-là que je vais coller à l'intérieur comme sur cette carte-là. Alors que sur celle-ci, je ne l'avais pas fait. Mais on peut faire de deux façons. Donc, je vais coller ça tout de suite. Ici. Alors, je vais la plier comme ça je serai sûre qu'elle sera positionnée au bon endroit. Voilà. Et on obtient ceci pour la première étape. Ensuite, on va poser ici le papier comme sur celle-là. Là, j'avais mis du papier gris, voyez, ici. Alors, celui-là de papier, il fait 8,5 sur 12. On va le positionner ici à 1,5 cm du haut en haut, là, à gauche, et 1,5 cm ici en bas. En mettant la pointe gauche en haut là sur la diagonale et la pointe du bas ici en bas sur la diagonale. Voilà. Donc, et normalement, il doit y avoir 1,5 cm à peu près. Hein, c'est pas. Ouais, c'est ça. Voilà. 1,5 cm. Alors, pour être sûr de ne pas me louper, je vais marquer ici et je vais marquer ici. Je gommerai après, c'est pas gênant. Alors ça, je le colle tout de suite. Voilà. Ici et ici. Voilà. Hop. Donc on obtient ceci.
Donc là, on a 1,5 cm, là, on a 1,5 cm, et sur le côté, ici, on a, allez, 8 mm, on va dire. Oui. Voilà, pour cette partie-là. Maintenant, je n'ai plus qu'à gommer les petits traits que j'ai fait. Oui. Je préfère mettre des petits repères, comme ça je suis sûre de coller au bon endroit. Voilà. On obtient ceci. Et quand on ferme, on a vraiment le coin ici qui est bien et le coin ici qui est bien également. Voilà. Alors ensuite, on va mettre cette partie-là, c'est-à-dire le rabat qui fait 7,5 sur 22. On va le plier en deux, comme ceci. Et lui, c'est pareil, il va falloir le coller pour que la pointe en bas à droite soit alignée avec la diagonale et la pointe en haut à droite alignée également avec la diagonale pour que lorsque l'on glisse cette partie-là, là, comme ça, hop, on ait la même distance en haut et en bas. Voilà. Alors, si vous voyez que ici, ça ne va pas, que c'est un tout petit peu trop grand, là, on recoupe un tout petit morceau. Parce que d'une carte à l'autre, j'ai remarqué que, je sais pas pourquoi, parfois, il y a un tout petit peu de trop. Donc, je vais enlever vraiment quelques millimètres. Voilà. Et là, normalement, ça devrait aller. Ce qui fait que au lieu d'avoir 11 cm, on a maintenant 10,8. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose à enlever. Alors, je vous ai dit, elle est simple à faire, mais il y a quand même pas mal de calculs. Parce que sinon, voilà, là c'est nickel. Elle va parfaitement. Voilà, vous voyez. Quand je l'ouvre, hop, on a la même distance ici, ici, ici et ici en bas. Voilà. Alors maintenant, je vais coller ça. Pareil, hein, comme tout à l'heure, je vais faire des petits repères ici et ici pour coller, que je gommerai après. Alors ça, je le colle. Voilà. Et je pose ici. Là. Et là. Alors, je vais regarder si ça va avant d'appuyer. Oui, c'est bon. Alors, on obtient ceci. Vous voyez, ici, on a vraiment l'angle à la diagonale. Et ici, l'angle à la diagonale également. Je vais gommer mes petits traits. Tout de suite pendant que j'y pense. Et je vais coller ici le papier que j'ai découpé dans une autre feuille qui fait 7 sur 10,5 cm. Ce sont tous des papiers qui sont coordonnés. Alors là, c'est pareil. Il va peut-être falloir que je recoupe un petit peu, étant donné que tout à l'heure, j'ai recoupé une petite bande ici. Là, c'est pareil. Ben, je vais enlever quelques millimètres.
Voilà. Ça ira mieux, je pense. Oui. Donc, on obtient cette fois-ci 7 sur 10. Ben, il y a toujours 2 mm en moins. Hein, 10,3 au lieu de 10,5. Et je colle ici. Après, il se peut que vous preniez les dimensions que je vous ai données, puis que ça aille parfaitement. Ça, je ne sais pas pourquoi, des moments pour recouper quelques millimètres. Donc voilà pour cette partie-là. Voilà. Ça avance bien. Maintenant, on va mettre l'étiquette à l'intérieur, ici. Celle-ci. On va la coller sur le matage. Et le sentiment. Ça, c'est parfait. Cette partie là je vais la coller ici. Alors c'est pareil, on essaie de laisser autant à gauche sur la gauche que sur la droite, hein. Là je vais laisser 2 cm à peu près, hein. C'est pas 1 mm près non plus. Alors je vais la coller toujours de la même façon, hein. Je vais ici faire un petit marquage au crayon de bois pour être sûr de ne pas la mettre de travers. Je vais gommer parce que sinon on va voir l'arrière. Voilà. Et donc je vais juste mettre de la colle ici. Comme ceci. Je vais remettre un petit peu en haut aussi. Voilà. Comme ça. Oui, je vais gommer les repères que j'ai fait pour ma colle. Voilà. Donc, on obtient ceci. Puis maintenant, on va décorer. Je vais mettre mon illustration ici. Alors, l'illustration, je vais mettre un petit peu de distress autour pour qu'elle ressorte parce que le fond est blanc. On aurait pu mettre du distress sur toute la carte, mais bon, je trouve que c'est plus joli comme ça. J'ai mon truc qui est complètement usé, il va falloir que je le change. Voilà. Ça, on va le coller ici. Après, si on veut, on peut remettre des petites décos ici en haut et en bas. Je pense que je vais la laisser comme ça, pas trop la charger. Bon, je vais regarder si j'ai bien centré. Alors oui, oui, c'est ça, ça va aller.
maintenant, je vais décorer l'intérieur. Je vais mettre cette jolie illustration que j'ai trouvée sur Pinterest. Vraiment jolie. Je vais la mettre ici, dans le coin, en bas, à gauche. Je vais boucher ma colle parce qu'il y a un bout de temps qu'elle est ouverte, elle va sécher. On va mettre ça. Et notre carte est terminée. On va la regarder une dernière fois. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous voyez, c'est quand même assez simple. Mis à part le fait que j'ai dû recouper un petit peu. Mais bon, ça c'est en faisant, on voit bien quand ça correspond pas ici et là. Étant donné que ça dépassait un peu, fallait que j'en recoupe un tout petit peu. Mais bon, il y a 2 mm, hein, c'est vraiment pas beaucoup. C'est parce que je suis un petit peu tatillonne sur les bords. Mais sinon, bon, on peut laisser avec les dimensions que je vous ai données dès le départ, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc elle s'ouvre comme ceci. Là, plaisir d'automne. Et puis à l'intérieur. Donc celle-là, vous voyez, j'ai gardé cette partie-là que j'ai recollée à l'arrière. Contrairement à celle-ci qui a un fond blanc. Finalement, je trouve que c'est pas mal non plus comme ça. Voilà. Ça, c'était une illustration des cartes de chez Action. Vous savez, les petits carnets là pour faire des cartes. Et j'avais gardé les petites photos comme ça. Vous voyez, ça sert toujours. Hein. Je dis toujours, je garde trop de choses. Ben non, finalement, on arrive toujours à se resservir des choses qu'on garde. Hein. Bon, ça, c'était le prototype. Elle n'est pas terrible. Le papier, j'ai pas pris un papier suffisamment épais. Mais bon, elle fera l'affaire quand même. Celle-ci, alors, toujours Noël. Hein, parce que j'en ai fait deux de Noël. Alors, pareil, hein, j'ai gardé ici la partie que j'avais redécoupée, le papier Merry Christmas, d'un bloc de chez Action. Joyeuse fête, là j'ai remis un tamponnage, comme ceci. Et puis ici en bas, des petites étoiles. On peut écrire ici, vous voyez ici le papier, il se tient mieux quand même. Voilà, et j'en avais fait une autre sur le thème de l'automne également. La voici. Alors, je l'aime bien aussi, celle-ci. Alors, celle-ci, ça vient du bloc, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci. Les papiers sont magnifiques. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on a du doré sur celle-ci. Il y avait vraiment de jolis papiers dans ce bloc-là. Et donc, j'ai fait pareil. Hein. Sauf que celle-ci, j'ai tout ancré. J'ai ancré ici, j'ai ancré l'intérieur, j'ai ancré ici les bords. Alors, celle-ci, c'est belle journée d'automne, douce et colorée. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit renard. Toujours une illustration que j'ai trouvée sur Pinterest avec la petite étiquette. Alors là, j'ai fait le contraire. J'ai mis le sentiment devant. Et puis, la petite illustration, je l'ai mise à l'intérieur. Voilà. Et dedans, j'ai mis une feuille. J'ai redécoupé une feuille dans le papier que j'ai remis ici. Et là, vous voyez, j'ai tout ancré. Celle-ci, elle est complètement ancrée. Voilà. Je l'aime bien aussi, celle-ci. Donc, les deux d'automne. Voilà. Puis, les deux de Noël. Et comme j'en avais pas assez, hier soir, je me suis dit, oh, j'en fais une quatrième. Alors là, j'ai pris du papier, toujours d'un bloc de chez Action. Celui-ci que je vous avais montré il y a quelques temps. Il y a pas mal de papier aussi. Vous voyez ici, on a printemps, été, automne, hiver. Hein, ce sont les quatre saisons. Et là, j'ai fait une carte pour l'été. Je fais une carte d'anniversaire avec le papier de l'été. J'aime bien aussi celle-ci. Alors, j'ai mis une grosse marguerite. Parce que ici on a plein de petites marguerites autour. Pareil, hein, j'ai gardé le papier. Je trouve que finalement, avec cette partie-là remise, ça rend pas mal non plus. Alors le papier, il est assorti. Hein. Et à l'intérieur, j'ai mis « Je te souhaite un super anniversaire ». Elle est toute simple, celle-ci. J'ai rien mis à l'intérieur. Voilà.
avec des marguerites. Voilà. Mes petites créations pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la carte que vous préférez. Moi, mes préférées, ce sont les deux d'automne. Je trouve qu'elles sont jolies comme tout. Voilà, on se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Là, je vais recevoir bientôt des partenariats de Diamant Painting et de Point de Croix. Donc, on se retrouve très très vite. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt !